Je m'appelle Romain de Souza. Là, on est dans mon atelier à Villejuif, juste à côté de Paris. Et ici, je fais mon métier, enfin, en gros, donc, qui est sculpteur, essentiellement sur le métal. Et mon vrai métier, ma vraie envie, c'est sculpteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être sculpteur? Moi, je veux dire, le terme de sculpteur tel qu'on l'entend, de faire du statuaire comme faisait Rodin, je ne sais pas si aujourd'hui, moi je ne sais pas tellement, et d'ailleurs je ne me pose plus trop cette question, comment m'inscrire moi comme sculpteur? Moi je fais de la sculpture, après, à quoi elle ressemble, à qui elle ressemble, est-ce qu'elle est moderne, est-ce que presque je m'en fous un peu. Un mec hyper doux dans mon travail. D'ailleurs, ici, dans le lieu, on ne me considère pas vraiment comme ça. Mais, donc, ouais, il y a même un truc physique, quoi, avec la matière, agressif, etc. C'est pas parce que je la frappe, c'est bizarre que je dise ça, mais que je la respecte pas. Il y a un vrai respect pour la matière, même quand je la frappe. Je sais pas, il y a... Mais je suis pas, comme on voit dans Ghost, le potier, où pousser tout doux, c'est sensuel, on en a plein les mains, c'est érotique, etc. Enfin, moi, en tout cas, ça peut être vu comme ça, mais moi, je le ressens pas du tout comme ça. C'est plus un combat. La terre, bah, tu peux pas faire plus simple comme matériau, tu peux pas faire plus sculptural comme matériau, parce que tu pétris la terre et à partir d'une boule, tu fais une forme. C'est comme si t'es le créateur dans l'essence même. C'est-à-dire tu pars de rien, t'accumules et t'arrives à quelque chose, contrairement à un tailleur de pierre qui part d'un bloc et qui enlève. Donc ce qui est complètement différent. Moi, j'enlève pas de la matière, j'en rajoute. Que je laisse. Est-ce que je le laisse? Alors. Le sternum, je verrai si je le sors, parce que je pense que... Je pense que ça peut être bien. Il faudrait un truc... J'ai à peu près pareil. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais, mais non. Serré.
Le corps que j'aime beaucoup, c'est le mien, de manière très égocentrique, mais pas parce que je le trouve beau, mais parce que je le connais bien. En fait, c'est surtout ça. C'est que mon corps, c'est celui que je connais le plus. J'ai un corps anatomiquement assez intéressant pour moi. Je ne dis pas qu'il l'est pour les autres, mais disons qu'on voit tout. Donc, comme j'adore l'anatomie, j'ai fait beaucoup de dessins anatomiques. Moi, j'aime beaucoup la nervosité des corps. J'aime beaucoup des peintres qui m'ont beaucoup marqué, des cœurs meurtris, comme, comment il s'appelle, Zoran Muzic, qui a peint sur ces mecs en camp de concentration, qui sont complètement décharnés. Moi, c'est des corps, parce que le sujet me plaisait, c'est des corps qui m'ont toujours beaucoup marqué. Le Christ, son corps, je trouve que c'est un corps hyper beau, indépendamment de toute la symbolique de ce que ça représente. Donc j'aime ces corps un peu amaigris, un peu décharnés, un peu torturés. Là, il y a un rapport vachement particulier parce que là, j'ai les mains dedans et moi, c'est pas possible de faire une sculpture si j'ai pas les mains dedans. J'ai toujours les mains dégueulasses, j'ai besoin d'être dedans. Enfin, c'est même pas intellectuel, c'est viscéral, c'est organique. Enfin, et la terre est humide, elle est mouillée, donc j'ai les mains dedans, je la pétris. Quand je touche la terre, j'ai presque l'impression de toucher un corps. Alors, il n'y a pas cette dimension forcément sexuelle dedans. Je personnalise complètement la matière que j'utilise. Même je la tutoie parfois, etc. Donc, il y a vraiment un rapport avec elle. Bon. Il faut un coup de flotte. Et les couches pour la nuit, quoi.